Je gagne tous mes carreaux dans ce tour là, je suis abattu par tant de précision quoi. Ouais parce que au tiebreaker c'est le joueur qui a le plus de top 1 qui passe hein. Après la réalité, il y a je pense aucun monde où je suis en tiebreaker à 33 mais bon, on verra quoi. Allez, Vox MF. Je suis pas sûr d'avoir envie de jouer une game mercenaire hein, dans un lobby où je vais juste faire top 7. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Oh l'arc il fait chier bordel quoi. Moi je demande rien d'autre que jouer une game Vex là pour finir. Alors ça c'est non ça, oh, ça c'est l'objet de la sécurisation ça. Ça c'est ce qu'on appelle l'objet de la sécurité ça mesdames messieurs. Ouh le vilain lithoplastron, bon ça. Oh c'est tellement Mitristana cette game quoi. Je vous jure que c'est Mitristana cette game hein. Attends faut vérifier que ça reporte pas Yordle ici là. Night of Hell. Sinon c'est Mitristana en vrai. Genre on fait juste 3 Yordle avec Tristana 3. J'ai une sortie de bâtard là en vrai pour ça. J'ai une vraie sortie de bâtard là no joke. Après sinon, juste on joue arcaniste hein. Et on assure que on s'est dit est-ce que comme on est 100% qualif, enfin je pense. Non en vrai j'en sais rien, en vrai je dans le doute no capa no kippo comme on lit hein. Je suis en plein tatage de couilles actuellement là. Je conteste ou pas? Ah oh, putain j'ai pas besoin d'entrer Darius. J'ai entré quoi? Je suis battu. Je suis sûr que c'est le play hein. Bon je me suis foiré, j'ai pas rentré Darius. Ni et Caitlyn. C'est pour montrer que je suis un flex player, vous allez voir. Je vais démontrer comment je suis un flex player, vous allez voir, c'est incroyable. Nice. Est-ce que vous voulez voir pourquoi je suis un flex player le chat? Parce que ça va être incroyable, franchement. J'espère qu'on se conteste, mais j'ai bien scout en vrai. Y'a personne qui avait Tristana qui a l'air d'être chaud pour jouer Tristana quoi. Pas de stuff. Oh, ils sont pas dégueulasses à jouer Tristana avec leur stuff. C'est juste des open yordle quoi. Ok. Feels good. Donc là, mon but c'est de faire Poppy 3, Tristana 3 et Lulu 3 idéalement. Et en vendant toutes les, tous les yordles toute la game pour faire des golds quoi. Good loss en vrai hein. Good loss, good loss. Turbo, good loss. Oh, c'était tellement de game match, je le savais depuis le début. Je suis abattu. Je vais te faire mes... En vrai ça fait plus 3 golds, c'est trop bien que. Zig 3 bench. Pas sûr, on verra. C'est pas mal pour l'écho mais on verra. Peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. S'il vient tout seul. Parce que faut pas qu'il me coûte plus cher en early que ce qu'il me rapportera en late quoi tu vois.
Alors j'allais dire que ça va être une good loss, mais ça va être une bad loss de ouf ça, non? À moins que ma Poppy arrive à tuer. Oh, ça va. Tout va bien. He's ok. Je tue un perso, c'est ok. J'avoue que j'aurais bien aimé ne pas commencer par une loose streak en vrai, pour être honnête, mais bon. Ok, 3 gold d'épée, nice. Oh, je trouve que ma game. Ah, il est arcaniste, ok. Oh, c'est le fêtard qui est arcaniste! Oh, c'est broken, putain! Honnêtement, je trouve que ma game commence bien. Après, j'avoue que. Ça m'assure pas trop de commencer par une loose streak, mais bon. Je me sens très à l'aise avec mon early game en vrai. C'est un mec qui reroll les cogs en plus, quoi. Je me sens d'autant plus à l'aise en vrai. Encore une Vex? Attends, mais je full reroll ou je rêve là? C'est bon, je suis en train de full reroll les golds. Ça me fait déjà trop. Ça me fait déjà. Attends, mais je vais reroll de fou là, non? Bon, nique les Ziggs, hein. J'ai MF trop bien en plus. Allez, good loss là. C'est pas une good loss, ça c'est une win ça. J'ai encore demain. Bah en théorie, si je suis bien qualifié comme je le pense après 5 games sur 6, en théorie oui. J'ai Yone. Après j'ai Guinzo. Ouais nique, hein. Je suis sur Tristana je crois. Enfin je sais pas. Fort Yone mais Guinzo c'est nul à chier parce que ça se joue en Sichuan maintenant quoi. Il vaut pas ce que j'ai, je pense. Idéalement, on gagne, on va en Ziggs dans le meilleur des mondes. Ok, on perd et on FF. Il y a trop sur le board, putain. Putain, con quoi. Ah. Pas de chance de pas trouver de Tristana, je trouve des bons trucs sur Yordle mais pas de Tristana quoi. Ok. J'ai déjà envie de reforger la baguette, hein, je crois. Baguette, elle m'apportera jamais rien, je crois. Et Brumble. Ok, c'est la Swiss par où? Hoge. Armure. Faut être trap-clé aussi, mais bon. Je suis un remover, on s'en bat les couilles. Ok. Donc, level 6, on rentre Taric dans le meilleur des mondes. Je sais pas quelle était la case. Red Arcane, évidemment. Ce que j'ai aimé, évidemment. Donc lui ce qui est pas mal c'est qu'il reroll les Kog'Maw et moi je reroll le Tristana donc on est alliés dans cette game. Vu que plus il prend de Kog'Maw, plus ça libère les Tristana, enfin plus ça me donne de chance d'avoir les Tristana et de voir le, à la place d'avoir les Kog'Maw et vice versa quoi. Ok ça commence à tabasser un peu cette affaire. Bon là on va roll pour Tristana 2-1. C'est quoi le mutant? Ah, c'est le mutant Elderwood. Bordel. Putain, j'ai vu deux. Vous savez, ça fait 3 Vex que je vois. Hein.
Je suis tellement riche grâce à ça. Truc de fou quoi. Faut que j'ai un truc à rentrer en vrai, un truc correct. La case est pas ouf mais bon, je tapons. Bon, j'ai envie de slow roll maintenant, je pense. Hein. Je suis ok avec ça. Est-ce que vous trouvez que je suis turbo bien le chat là? Dans cette compo, tu joues jamais avec dans cette compo que je joue là. Le disarm de Queen m'a tout pris là. Ouais, ce qui est fort, c'est que c'est super facile d'avoir 4 enchanteurs avec cette compo en fait. Puisqu'on joue Lulu, 3. Et 4 enchanteurs, c'est turbo broken en vrai. J'espère que j'aurai une bonne augmente là. Genre dépipé quoi. Non, non, en vrai, je peux pas d'augmente tier 3, je suis bien, je peux pas donner d'augmente tier 3 qui vient casser la game de tout le monde là. Ah. Oh, Lulu 2, c'est fort ça non? Genre, je le bouge jamais, rien à foutre. Hein. 40% de dégâts, c'est parti. Hein. Ça part de là. Hein. Super fort Tristana, Nejan. Je pense que j'ai le bis avec une lasse. J'ai le bis, je pense. Il faudrait une commande de heal là si possible. Ah non, Tris, je vais la jouer au level 3. Qu'est-ce que ça branle avec Shogat 2, Malzahar 2 en 3-3 quoi? Avec 20 gold encore. Bordel de merde. Bordel de mes couilles. Elle est triste. Oh, saloperie. Putain, j'ai pas de heal dessus. Parce qu'on va le faire. Oh, je m'attends. Après, tu me dirais que la Swisper elle aurait ouvert le Shogat en 2 quoi. D'aller sur le deuxième cas socialiste. Ah, merci. Bon à savoir ça. Bon, ça m'aide pas beaucoup parce que bon, elle est pas trop exploitable pour ma Tristana, mais bon. Shit happens quoi. Je vais prendre la Tristana, mais je peux vraiment la Swisper, hein, Nick. Je suis pas chaud pour Hoge là. Ah, les cases, elle est d'une inutilité jamais vue quoi. Il est hors de question que j'avance ma Tristana. Alors qu'elle a 5 de portée cette connasse. Ah, 4ème Vex. 4ème Vex de trouver avec les Yordle. Pas me plaindre, hein. Franchement, ils m'ont rapporté 12 gold juste avec les Vex. Hein. J'ai pas compté le reste. Hein. Du coup, on a dit qu'il y avait une case là. Bordel. Oh, pourquoi j'aimerais bien qu'ils me donnent des Tristana aussi, tant qu'à faire. Hein. Par contre, j'ai 0 Poppy, 0 Lulu. Hein. Ça fait chier. Poppy 3, c'est vachement important. C'est une grosse power spike, Poppy 3. Attends, mais lui il est strong que sa mère, lui non? Je lui redonne toutes les Vex quand je les vends. Il est turbo strong lui, bordel. En théorie, on joue 4 enchanteurs donc en théorie c'est fine, but. Après, c'est toujours pareil, tant qu'on a pas notre level 3, c'est un peu galère, mais bon. Ça arrive vite, hein. En général, Tristana. Je peux vous mentir, c'est moins contesté que Katarina, quoi. Oui, c'est Léona, mais j'ai Blitz 2 donc. Au pire, si je joue pas Poppy 3, j'entrerai Léona à la place de Poppy. Je suis pas en train de high roll de fou là, honnêtement. C'est pas que je suis déçu, mais quand même un peu quoi.
À deux doigts de dire que je le roll mais Tristana quand même. Je crois que j'en ai vu qu'une dans Yordle quoi. Parce que c'est bien de voir des Vex mais ça fait des golds, mais je préfère voir des Tristana, ça m'a eu de rôles quoi. Ça fait encore plus de golds de voir des Tristana du coup. Vu que ça m'économise des rôles au final. Bon après ça va, je gagne des fights je crois. Fine, c'est fine, c'est fine. Ça a un mid game, ok tier en vrai tant que c'est pas level 3. Après ça donne scale vite mais bon. Janna c'est mon level d'après en vrai. Mais bon. Coûte un peu cher là quand même. Hein. C'est un peu compliqué à acheter là pour le coup. Oh il y avait deux poppies dans... Il y avait deux poppies. What? Attendez, j'ai eu deux poppies. Sympa. Solid Blitz, hein. T'as été grand remplacé. Pas falloir traîner, je pense qu'on va commencer à prendre des tartes là. On va commencer à prendre des tartelettes là. J'ai envie de vendre des mèches, j'en ai rien à foutre, je vais jouer Jhin. Enfin, je sais pas. En théorie, je joue Jhin, ouais. Alors, Luki, il est en train de roll ses Kog'Maw. Il a trouvé 0 level 3 pour l'instant, donc j'ai vrai. Il va roll dans le prochain fight, je pense. C'est vraiment le moment où jamais de le taguer, hein, Luki là. Oh, c'est génial de le taguer maintenant quoi, ça me régale tellement de le taguer maintenant quoi. J'avoue pas fou, nul à chier. Immonde. Dégoûtant. Oh, la Leonadel me régale tellement bordel. Ok. Allez là, les Yordle, régalez-moi s'il vous plaît, la pitié là. Allez, une Tristana qui sort de la du chapeau magique. Ouais, par contre, j'ai avec deux par contre. Bon, je crois que cette case, j'ai pas trop envie de l'exploiter, je crois quand même, elle est pas ouf. We need the chapeau magique. Ok, I need the chapeau magique. Laissez passer la canonnière. Laissez passer les petits papiers. Bon bah, it's first. Vous allez voir, c'est broken, vous allez voir. Et encore, là maintenant, faut qu'on s'éteigne. En fait, ce qui est trop fort, c'est qu'on va rentrer Jhin à la place de MF. On va rentrer Orianna qui va donner Clockwork et Enchanteur. Et on va rentrer Janna quoi. Donc, au level 8, j'aurai 4 Enchanteurs. Avec Lulu 3, ça va être trop bien. Oh, la prochaine vidéo des compos quoi. Tristan à 3. C'est pas mal tout ça. Touka, touka, tralali la 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 la. Et maintenant on attend que les Yordle nous donnent Poppy et Lulu. On espère qu'ils trollent pas trop. J'espère que ça trolle pas trop. Bon, à cause de ni le sniper, je ne bougerai jamais mes snipers, je vous le dis d'avance. Hein. Donc voilà. Vivement qu'il y a un shroud dans la game là. Ah, c'est celle qui nous a tout pris la game d'avant avec ses Yordles ça. C'est à moi de tout prendre l'autre avec les Yordles ce coup-ci. Alors c'est le mutant d'Arkstar, Elderwood pardon. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir Last Whisper sur ma Tristana ça me régale, hein, no joke. Ça va défoncer leur armure là. Et comme son Malzar a 0 dégâts, je suis très confiant. Parce que son Malzar il a beau avoir GA en vrai GA pistolet, mais si t'as pas de dégâts bah. Surtout que je vais être en 4 enchanteurs bientôt là. Enfin bientôt, 3 enchanteurs déjà ce sera bien. It's first. Bon bah je pense que honnêtement vu comment c'est parti, je pense qu'on va terminer le jour 2 du tournoi comme le jour 1 avec 0 bottom. Pourquoi ils reset les scores? Ils font chier putain. Ils devraient regarder tous les scores cumulés. Je pense que je serais genre dans le top 5 100%. Bah top 2 pour les stats c'est vrai. C'est le top 2 pour les stats là.
Bah faire mon meilleur Zeke là, si. Tu veux? Bon, c'est mon meilleur Zeke qui va partir, je reconnais là. Ah, Lulu 3, regardez, je la laisse briller quand même, c'est plus sympa si elle brille. Elle brille pas parce que l'hôtel sort du chapeau magique. Bon, tant pis. Bon, là je roll pour Janna ou Orianna. Ok, très bien. Bon, si j'avais Jhin, ce serait mieux, mais bon, flemme de roll jusqu'à Jhin. Hein. Maintenant, on go 8 et on rentre Jhin et Janna et c'est terminé quoi. Oh, my enemy, all the misery. Everybody want to be my enemy. Oh putain, il a trouvé Samira 3, Brixton en 4-5 là. Oh bah c'est la fête du slibard, hein, Brixton. Hein. Heureusement qu'il a besoin d'un bon top pour se qualifier, hein, le joueur français ici. Nous on était déjà qualifiés avant le début du match, selon toute vraisemblance, mais. Lui il a besoin d'un bon top quand même, lui. Il a besoin d'un top 5, je pense au moins. Moi je pense qu'avec un top 8, j'étais qualifié, mais. Dans le doute, on a quand même assuré. Hein. Bon, ça dégage la MF, hein. Personne ne t'aime. It's a first. It's an 8. It's an 8. Je suis en train de les deux objets en vrai. Encore une Vex, hein. Sur les Fubuku. La vérité, avec Jhin, Orianna, Janna, ça va me donner beaucoup de stats pour ça, mais bon. Oh, non, nique. Oh, Rédemption. Rédemption, c'est légendaire. Et Shojin, c'est légendaire. It's a first. Je regarde pas du tout mes deux items en vrai. Y'a quand même un signing ou pas demain? Pff, aucune idée. Moi demain j'arrive, je joue et on voit ce qui se passe quoi. Demain, parce qu'on est qualifié, on peut le dire. Demain il y a 6 games. On est 64. Parce qu'on a viré les 3 quarts des joueurs aujourd'hui. On a viré la. Enfin on a viré. On était 512 à la base. On est plus que 64 demain. Il faut être dans les 32 premiers. Ça doit se faire. Je sais pas s'il y a 6 games demain. On peut regarder en vrai. C'est win là de toute façon. Enfin c'est win. On s'en branle de la fin de la game. Enfin, on va la jouer normal, mais. Ouais, c'est ça. Demain, il y a 6 games. Re-seeded, Bazen, on point, every 2 games. Ah, d'accord, il y a des pools seedées par rapport aux points toutes les deux games. Ok. C'est vraiment la pire règle de merde, ça. Je comprends pas cette règle. Bon, je vais pas éclater par la luxe là. C'est vraiment nul à chier comme règle. Genre, c'est à dire que les meilleurs sont avec les meilleurs, tu vois. Donc, c'est à dire que si t'es en train de défoncer tout le monde, t'es puni en te retrouvant contre des mecs super forts alors que les mecs qui se font défoncer, ils jouent entre mecs faibles pour remonter sur ta gueule, quoi. C'est vraiment une règle de merde quoi, putain. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Il faut être, on s'en fout, faut être top 32. Ça commence à 16h demain. Et ça finit vers 21h30. Donc je serai en live évidemment. Ça va sans dire. C'est plutôt le contraire, le principe des seeds. Ah, c'est nul à chier. Je crois que c'est ça. Enfin, je sais pas ce qu'ils entendent par seeds. Apparemment, ils vont expliquer apparemment. Ah, y a un guide apparemment. Ah, parce que demain, c'est streamé demain, ok. C'est streamé demain. Sur la chaîne Riot, je crois. C'est ça. Oh, la flemme, quoi. Oh, j'ai Rumble. Et j'ai Roshojin. Oh, it's a first. It's a first. J'ai même pas utilisé ça, du coup, tellement j'ai des bons items. Bah, écoutez, on verra ce qui s'appelle le Resealing, hein, mais je suis très inquiet. Hein. Les connaissants. Ça va être sympa, ça, non? Ça va être sympa, ça. Mais c'est clair, vraiment, j'espère que c'est pas ça la règle, un bordel. Hein. En vrai, il y a le règlement, je crois, mais j'ai la flemme de le lire. Kog'Maw 3 contre Tristana 3, le duel ultime. No joke, ma Poppy Lulu, c'est imperdable, je pense. Hein. Il a ascension quand même, mine de rien. Donc si le fight dure trop longtemps, il fait 75% de dégâts en plus. Mais je le fume, non. Yep. Nice. Ah bah Lulu, elle est légendaire. Hein. Les 4 premiers seront chef de lobby, puis 4. Les suivants seront 2, etc. T'as vu ça sur les règles, Lunaris? Enfin, t'as vu ça où? Source Evian. Cristalline. Source Cristalline.
Ah ok, parce que demain on va être sur un autre. En fait, demain on va être sur un autre client parce qu'on va être sur le mode ops demain en fait. Demain il y aura le mode ops pour streamer le game apparemment. On va être ops demain. Donc on jouera pas sur nos comptes en fait. J'ai compris, ok. Ah. Parce qu'en fait le mode ops est encore en bêta, du coup ils peuvent pas le mettre sur nos comptes, du coup ça va être sympa ça. Est-ce que je fume l'Avex 3 là? Oh le 4 enchanteur. Ah non, j'ai pas encore trouvé un enchanteur putain. Après j'ai tellement de sustain avec la rédemption, la Lulu qui fait des petites bâtards et tout. Source d'Actissimo, la meilleure. Ah ça demain va falloir faire des. Oh là là, ça va être compliqué putain. Ça va être compliqué demain. Faut pas juste me dire que je suis qualifié. Faut pas juste me donner la qualif sinon. Encore mieux non. Allez bien ma game sinon hein. Du coup, pas ton compte, du coup, pas Blitz. Ah, j'avoue, ça va casser les couilles, putain. Après, je peux jouer sans en vrai, hein. Je joue sans d'habitude en tournoi, mais. Comme là, c'est autorisé, j'ai laissé. Pas de bon vers Leona. Nope. Leona, c'est fine en vrai. Alors, lui, je crois qu'il joue pour la qualif, lui, en vrai. Je suis en train de lui niquer sa qualif, lui, je crois. Ah, ouais. Je crois que j'ai tout pris à lui. Je lui ai tout pris à lui, je crois. Elle est bien ma compo hein. Elle est stylée, vous avez vu ça ou pas? Elle est stylée ma compo, avoue qu'elle est stylée, elle est géniale. Je la mettrai dans la prochaine vidéo des compos. Ah, ça fait 40% en plus, il y a les snipers au même endroit, donc c'est cool en vrai. 40% de dégâts en plus. Oh, la vilaine trap claw, elle me régale là. Je le mets sur Jhin. En fait, je pourrais corner Tristana maintenant, mais bon. Que je trappe clos. Le problème, c'est que si je fais ça, elle perd 40% de dégâts quoi. Elle les reprend que dans 4 fights. J'ai grave la flemme. J'ai la turbo flemme de perdre 40% de dégâts. Je vais juste faire ça du coup. FK level 9. Joss, non, c'est une mécanique où t'as facilement tes level 3 en vrai, Yordle. Mais après, je les ai pas eu si rapidement que ça en vrai. Enfin, ça fait longtemps que je les ai même. Demain, ouais, demain on passe de. En fait, la journée la plus dure c'était aujourd'hui. Parce que aujourd'hui. Oh, lui il est fort putain. Aujourd'hui on passait de. De 64 joueurs. De 256 à 64. Donc on a enlevé les 3 quarts des joueurs aujourd'hui. En sachant qu'on a enlevé la moitié hier et qu'aujourd'hui on a enlevé les 3 quarts aujourd'hui de ceux qui restaient. Demain on enlève que la moitié. Donc demain il faut que je fasse 50% et c'est bon. Si je fais top 50% je suis qualifié pour la Spatula Cup. Ce qui était vraiment un gros objectif pour moi quoi. Et ça ferait plaisir. En vrai, quand je me suis inscrit au qualifieur je pensais pas que je smurferais autant de qualifieurs. Mais j'avoue que je me sens très à l'aise sur le jeu là. Alors là c'est là qu'on regrette de pas avoir de Giant Slayer là. Issou. Issou, issou. Ça veut le qualif d'avoir la spatula. Bah, la spatula cup, en gros, la qualif qu'on fait, c'est pour la spatula cup. Où il y a déjà les 60 premiers EU qui sont qualifiés. Malheureusement, là j'y suis, mais j'y étais pas quand il fallait y être. Donc je vais faire la qualif. Donc il y a déjà Yunid et compagnie. Et Shones qui y est aussi. Mayarki, pas de bol. Et la Spatula Cup, là pour le coup, c'est qualifié au championnat d'Europe, qui eux qualifient au World. Ouais, ça s'arrête jamais, je sais. Sortez des Reforges. Je sais, mais là j'ai rien à Reforge, en fait j'ai le Beast Gear sur tout le monde là, je crois. Bon, par contre, on a quand même un vrai problème de. Remarque, franchement, il a pas de dégâts en face, un autre joke. Hein. Il a zéro dégâts, hein. Son Malzahar est pas 3. Je pense que je gagne, un autre joke. J'ai trop de sustain en fait, je suis en 4 enchanteurs, du coup le Malzahar me fait rien. Et bah le Cho'Gath, bah il fait rien non plus en fait. Donc je gagne juste en fait. J'ai aucun autre. J'ai la Whisper donc. Zéro armure pour le mutant Elderwood et bah, terminé. Bah, j'avoue que j'ai peur qu'on fasse top 1 en fait. Et que du coup on break la chaîne 3-2-3-2-3. Et j'ai peur que ça fasse 1. Et j'ai peur absolument. J'ai peur que l'harmonie du monde en soit brisée, mes chers amis. J'ai peur que nous en brisions l'harmonie du monde. Ce qui serait absolument terrible. C'est vrai que je peux FF au top 2. Mais je crois que ça va être considéré. Ah, ça va reforge comme never, ça par contre.
Je sais pas s'ils vont apprécier si je reforge quoi. FF top 2 c'est la seule solution. En vrai je peux FF si je leur explique que c'est pour l'harmonie du monde à votre avis. Lunaris t'es encore là ou pas? Donc Lunaris t'as vu où l'info sur le seeding? Excuse-moi Lunaris hein. D'ailleurs j'étais combien avant ce match? J'étais combien au classement général? J'aime pas regarder mon classement avant ce match. Donc avant ce match j'étais 14ème. Mais à égalité 12ème. Pas mal, c'est pas mal. Merde j'ai fait 50 gold. Alors... Oh je peux mettre ça sur Jean non? Ouais c'est vrai, bon flemme. GA. Pas sûr d'avoir mieux qu'un GA quand même. Ok j'ai Atarik. J'ai pas l'info officielle mais c'est le plus logique. Ah oui d'accord, non mais ok Lunaris. Aucun intérêt quoi. Aucun intérêt ce mec. Si t'as pas l'info officielle le dis pas du coup. Parce que c'est pas du tout logique en vrai. En tout cas ce qu'ils font n'est pas logique du tout en fait. Moi je me suis fait baiser une qualif au World comme ça. Enfin une qualif au deuxième tour des championnats d'Europe quoi. Plutôt. Alors je suis en 4 enchanteurs mais j'ai un doute raisonnable sur le fait que je puisse battre la Lux quand même là je pense. Enfin la Lux avec le Drake ça fait beaucoup quand même hein. La Lux c'est déjà beaucoup mais la Lux plus le Drake sans régène sur Tristana. Après la Lulu elle est pas là pour déconner en vrai notre joke mais bon ouais non ok bon. On va top 2 je crois c'est bon tout va bien. Je crois que le top 2 va être respecté le chat. Le top 2 va être... Je crois que le top 2 va être respecté pour le plus grand plaisir des Français. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Tra la 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 li la li la l'air. J'ai demandé aux admins comment ça se passe. Je pense que je leur demanderai ce soir quand même, non? Je peux aller dans le. How is working the seeding tomorrow, please? Ils vont me répondre, mais pourquoi tu me poses la question maintenant alors que c'est pas encore fini? J'ai demandé comme ça je peux vous le dire avant de couper mon stream. Parce que là, après je vais couper, je vais pas refaire de game, je pense. Je pense que je vais pas rejouer ce soir là. J'ai fait que monter en ladder aujourd'hui. Genre, j'ai pas fait un seul button. En fait, je vous dis, hein, ça fait 31 games, je crois, où je n'ai pas fait une game top 7, top 8. Et si on veut être plus précis que ça, parce qu'on peut être plus précis, on peut entrer dans la granularité. Hein. Si on veut être plus précis que ça. Si je me retrouve. J'en ai monté 52 EU déjà, ce qui est pas mal. Hein. Ça fait même. Ça fait 20 games quasiment. On y est bientôt. On est bientôt aux 20 games dans le top 4. Potentiellement. Bon, je bouge pas. Hein. J'ai ni le sniper. Hein. 40% de dégâts, c'est bien. Flemme de bouger quoi. Flemme de bouger quoi. Après, il pourrait tellement me zéphir là. Enfin, je sais pas si il veut me zéphir avec la Lux en vrai, j'avoue. Non, mais c'est le Drake qui casse les couilles en fait quoi. Le Drake il est infâme en vrai. Ah, j'ai presque laissé le Drake avant qu'il casse, hein, no joke. Oh, bon. Ça dégoûte, j'ai drop de Nico PV1 inutile. Ah, terrible. Par contre, t'es qualifié en vrai avec un top 3 dans 100%. Bon bah, l'équilibre du monde on est que sauvé. Oh, Irulier. Je dis Irulier, c'est vrai. Shroud. Oh, le Shroud, it's first. Il me laisse choisir, il est sympa quoi. Regardez combien il a de trucs sur le board. Il a les 2m4, il a le Drake, plus level 9. Ah mais il a eu l'âme d'Innovator, ouais forcément. Ouais. C'est mon rêve ça. Il a eu mon seul rêve en fait lui. Il vit ma meilleure vie à ma place quoi. All the misery. Everybody want to be my enemy. Do-do-ti-ta-tim. Do-bi-d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 o-b
Oh là là, merci beaucoup Judith pour le host au moment où j'ai terminé mon stream. Alors bonjour à tous, si vous nous rejoignez, cette game compte pour du beurre car avant la dernière game on était déjà qualifié. Voilà. Je vais vous faire un petit résumé de là où on est après cette game si vous voulez, parce qu'on essaie quand même de... Après, là on joue contre un mec qui est déjà éliminé, et moi je suis déjà qualifié. Sympa, il met son deck dans le Shroud. Ah non, pas du tout. Attends, mais là son Drake, il va se faire OS direct, non? No joke. Ou alors au contraire, il va. Non, il va avoir le temps de caster ce coup-ci. Ah, le fait. Oh putain. Oh, il a casté, mais attends, pourquoi il a casté? Mais c'est pas sur ma Tristana, j'ai l'impression. Bon, je crois que c'est FF là quand même, non? Voilà, donc cette game. C'est vrai que j'aurais pu remove le Shroud, mais bon, j'aurais fait le même Shroud dans tous les cas, donc ça servait à rien. Mais vous avez raison. Bon, bah, on perd évidemment. Et bah voilà, et voilà, sur le tournoi, les amis. Pourquoi le top ladder est pas au tournoi? Bah parce que j'étais pas top. Là je suis top ladder, mais j'étais pas top ladder au moment où il fallait être top ladder. Du coup je suis obligé de passer par la qualif. Même si je suis 50ème du ladder. Ce qui est normal en soi, hein. Il y a une deadline, j'ai pas été la deadline. Mais... petit résumé, donc la prophétie a été réalisée, les amis. Je rappelle que c'est la 12ème game du tournoi. Il y en a eu 6 hier, 6 aujourd'hui, en sachant que ça a résidé entre les deux. Que nous avons fait 100% de game dans le top 4, mesdames et messieurs. 100% de game dans le top 4. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que sur 12 games, j'ai fait un top 4. Et 11 top 2, top 3. J'ai fait 0 top 1. 0 top 1, 0 bottom. Riguban, le king of the la régularité.